On a fait le boulot. Pas été simple, vu la première mi-temps. Marque cet essai juste avant la pause qui nous fait vraiment du bien à la tête. Parce que je crois que les Biarro étaient venus pour faire quelque chose ici. Donc voilà, c'est sûr que le résultat ce soir nous fait du bien parce qu'il y avait quand même pas mal de joueurs absents. Tous les internationaux qui nous manquaient. Et on sait que c'est des joueurs importants pour l'équipe. Donc voilà, on a montré un beau visage ce soir en remportant contre une belle équipe biarrotte. Est-ce que ça vous permet de regarder plus haut ce championnat, peut-être avoir un... Ça nous permet déjà de rester en haut. Mmh. Voilà, c'est un peu notre objectif. On est quatrième, je crois. On était quatrième avant ce match, on est quatrième encore. Donc voilà, on continue comme ça, notre petit bonhomme. On va à Toulon le week-end. Ça va être compliqué, je pense, parce que... Voilà, ils ont pris un peu l'eau à Bordeaux. Donc, je pense qu'ils vont bien nous recevoir vu le match qu'on a fait contre eux en Coupe d'Europe. Voilà, nous devons bien nous préparer cette semaine pour essayer d'aller faire quelque chose là-bas. Oui, on peut se dire que voilà, on manque le bonus, mais c'est quand même globalement c'est positif dans la copie qu'on a rendue. Voilà, on est dans la lignée de notre très bon mois de janvier. Même si on a eu un petit flottement en début de match, parce que ça faisait 15 jours qu'on n'avait pas joué. Mais voilà, on s'est bien remis dedans, on a été propre sur notre conquête. On a imposé notre jeu et on est satisfait. On fait partie des 4 meilleurs et c'est pas anodin. Il n'y a pas que 15 ou 17 joueurs qui tiennent la route, il y a vraiment un très gros groupe, il y a une trentaine de mecs qui sont capables de titulaires dans l'équipe et qu'apportent leur qualité. Il n'y a pas qu'un 15 titulaires, c'est ce qui fait la force des grosses cylindrées. Ça, je sais pas si plus rien peut nous arrêter, mais c'est vrai que pour l'instant on a des résultats qui sont très positifs. Après, le groupe il a changé, oui, depuis 2 ans maintenant, je pense, où on est capable de... Même si des joueurs importants sont absents, on est capable aussi de produire du beau jeu et de gagner surtout. Ouais. On l'avait vu en H-Cup où le groupe avait beaucoup tourné et c'est pas pour ça qu'on n'avait pas fait de bons résultats. C'est bien pour la dynamique du groupe, c'est bien pour des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, qui aujourd'hui ont répondu présent. Même si ça a été difficile en première mi-temps où on s'est fait contrer par une équipe biarrotte qui était bien en place. Mais voilà, on n'a pas paniqué, on a réussi à mettre notre jeu en place et à trouver des brèches. Cette place de quatrième, on y tient, on a envie de l'accrocher le plus longtemps possible. C'est un objectif qu'on essaie de succès. Maintenant, on sait qu'il ne faut pas s'emballer, que ça peut être... Il y a Castres qui est derrière, qui pousse tout le temps, il y a d'autres clubs qui sont vraiment pas... qui sont pas distancés. Voilà. Maintenant, si on peut aller plus haut, bien sûr, on ne va pas se gêner, hein, mais il faut rester humble et continuer à travailler.